40. Vous croyez qu'on ne prend pas les pieds? Eh ben si, allez, Hervé, à toi l'honneur. Regardez comment on déplie 36 mètres de rampe. Parce que je peux vous dire que c'est pas simple pour le chauffeur de déplier 36 mètres de rampe ici, c'est un gros challenge. Alors, pour vous présenter ce QLV, je vous appelle Laurent Vigouroux, donc qui est le responsable de la QLV chez John Deere, expert QLV chez John Deere. Salut Laurent, merci de Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Patrice. La météo elle est parfaite, on a une bonne hygrométrie, une bonne température, il n'y a pas de vent ce soir, donc c'est un temps parfait pour aller faire de la pulvérisation. C'est sûr qu'il fait meilleur qu'il sort. Alors là Laurent, tu m'as amené un truc avec une innovation quand même qui est exceptionnelle, donc un pulvé automoteur avec une rampe carbone. Tout à fait, alors pourquoi le carbone? On peut se poser la question. Bah déjà le premier élément du carbone c'est son poids. On gagne 800 kg sur la machine, donc c'est important pour diminuer la compaction des sols. Mais ça, c'est sans compromis ni sur la robustesse, puisqu'une rampe en carbone est 6 fois plus robuste qu'une rampe en acier. Et c'est aussi sans compromis sur la stabilité de la rampe. Parce qu'avec cette rampe-là, c'est un gain de productivité que vous allez pouvoir avoir. Dans les régions de grande culture, c'est 5 km à l'heure qu'on va gagner au travail. Donc 5 km à l'heure, c'est 20 à 25% de productivité en plus. Alors, tu vas me dire R40-40, R40-50, donc on a deux capacités. Donc deux capacités de cuve, 4 millilitres, 5 millilitres, avec un véritable tracteur qui va faire de la pulvérisation, puisqu'on retrouve les cabines de tracteur qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on va retrouver l'accoudoir, on va retrouver aussi la possibilité de faire du guidage automatique, de la coupure de tronçons, mais aussi de la télématique avec... Ah, le fameux GDLink dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc qu'on soit à Besançon ou à Tours, on va pouvoir suivre la machine à distance, savoir ce qu'elle fait, puis augmenter et optimiser donc les réglages de la machine. Donc tu veux dire qu'en tant que coopérative, c'est très intéressant parce que nous, dans la coopérative, on vend du matériel agricole, mais on vend également les produits qui vont dans ces pulvées. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dialoguer avec notre conseiller. Tout à fait, avec Mike John Deere et le centre des opérations, on va pouvoir récupérer les cartographies d'application et donc donner accès à son conseiller technique de la COP pour pouvoir venir voir en direct de chez lui donc, les différentes applications sur la parcelle. D'accord, au niveau puissance bon, on est à 240 chevaux nominaux et puis 255 maxi. Ok, donc on va essayer de voir si Hervé peut nous replier après l'avoir déplié cette magnifique rampe carbone. Alors on a un certain nombre de caractéristiques qui sont vraiment intéressantes sur cette machine. On va retrouver une transmission hydromécanique, donc avec un régulateur de vitesse qui va permettre d'avoir un dispositif anti-calage, un dispositif anti-patinage sur les quatre roues. Avec aussi donc un tout nouveau circuit d'eau avec deux pompes indépendantes. Et écoutez bien, on a une pompe d'aspiration qui débite 1200 litres par minute. Ça veut dire qu'une cuve de 5 millilitres, en moins de 5 minutes, elle est remplie. Moins de 5 minutes pour remplir un pulvé comme ça. Moins de 5 minutes pour remplir un pulvé comme ça. C'est extraordinaire. Là, il y a de la performance. Bon, voilà, je crois qu'on peut l'applaudir parce que lui, c'était pas facile pour lui. C'était vraiment compliqué de pouvoir déplier ce pulvé. Il l'a fait avec brio. Allez, on va continuer dans la pulvérisation. On va redescendre un petit peu en taille. On va quand même revenir sur des choses un petit peu plus accessibles. Merci, Hervé. On le laisse sortir. Ce magnifique R40-40. Cette année, on fête un anniversaire, un autre anniversaire chez John Deere. Il y a les 100 ans du tracteur, mais on fête aussi les 20 ans de la pulvérisation.
Il y a 20 ans, nous aurait dit qu'on aurait encore de la pulvérisation chez John Deere. Ben, c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a une chose que tu m'as pas dit, Laurent. Pendant qu'ils s'installent, c'est fabriqué où ces cuvées? Ils sont fabriqués aux Pays-Bas, l'autre pays de fromage. Donc les Pays-Bas, à Horst, fêtent donc les 20 ans de John Deere, même s'ils ont déjà